pour passer le relais à qui? Eh bien, à Margot Fabre. Ouais, la France est en tête à mi-parcours. Et Margot Fabre qui en met une couche en bonne nageuse de 200 mètres. Regardez. Allez, c'est possible pour le titre. Allez, c'est possible. Charlotte Bonnet, Marie Wattel, Margot Fabre et Beryl Gastaldello. Quel bonheur! J'ai commencé grâce à mon père, qui est maître nageur. J'ai fait ma première équipe de France senior avec Philippe Lucas. Et en 2011, je suis revenue à Montpellier pour renager avec mon entraîneur du début, qui était entraîneur du Pôle France de sauvetage. Du coup, pour rentrer, il fallait que je fasse du sauvetage. Et c'est là que j'ai connu le sauvetage. Je vais enclencher une belle coulée. Juste avant mon virage, j'accélère un peu pour avoir une rotation rapide et pousser vite et fort sur le mur. C'est quand même un beau parcours parce que j'ai eu un accident qui aurait pu me faire arrêter de nager. Et en fait, j'ai persisté et par la suite, j'ai réussi à me qualifier aux Jeux Olympiques, avoir un titre de championne d'Europe, deux même. Du coup, je suis quand même assez fière de ma carrière. Les genoux, c'est bon, elle va être championne du monde, Margot Fabre, championne du monde, allez. Oui, Margot Fabre, championne du monde. Une nouvelle médaille d'or pour la France. Tous les sportifs de haut niveau en visent les Jeux Olympiques. Et en sauvetage, il y a les championnats du monde. Les Jeux Olympiques en juillet-août et les championnats du monde en septembre. J'ai vraiment une saison entière de septembre à septembre qui ne s'arrête pas en fait. Du coup, mon quotidien, c'est 6h45 arrivé, 7h dans l'eau, 7h à 9h, qu'à 14h45 où on replonge dans l'eau jusqu'à 16h45. Lundi, mercredi et vendredi, j'ai une heure de muscu dans la journée. Et après, j'essaie de caler mes séances de kiné. Aussi, un suivi psychologique. Je dirais qu'on a un groupe qui est assez autonome. On se débrouille par nos propres moyens, on va dire, notamment par la musculation au crêpes, les kinés, on les trouve nous-mêmes. Moi, je dirais pour terminer ma carrière sereinement ou continuer plus tard après les Jeux, si jamais j'en ai envie, ce serait vraiment une stabilité financière. Pas me soucier de qu'est-ce que je vais faire après, comment je vais le faire et par quels moyens je vais le faire. Et du coup, pour arriver à réaliser mon projet, j'aurai besoin de vous et de votre soutien.